Okay, so let's go. Let's continue, and we will with Anne-Marie and on behalf of all our team, which is a pluridisciplinary one, as you know, we will explain you our work in Turkey, in southwest of Turkey. For maybe more than 15 years at least. So we will show you, of course, location of Turkey as a key region, as you know, because we are at the crossroads of Africa, Europe and Asia, as we have seen for the Manisi. Or Mygdonia Basin, for example. So we are in the same area, very important for the first settlements within this older world. So just to remind you that we have the first representatives of the genus Homo in East Africa around 2.8 million years. Of course, the Manisi site that Maya gave a talk to this morning about this wonderful site, not only for the fauna list, which is endless, but also for the hominins. As you can see here, we have at least five quite complete skulls and four mandibles. So this is something amazing. We have a group, human groups, here with all the variability within this group, with, for example, if you are looking at the supraorbital torus, you can see some differences in the height, and some of the torus are stronger than others. We have male, we have female, we have juvenile and adult and older adults. So this is something very important for our knowledge, of course, of human evolution. So they are Homo georgicus at 1.8 million years. Then, as we have seen yesterday in Southeast Asia, we have hominins from 1.5, at least 1.5 million years. Then in mainland Asia, let's say in China, we discussed yesterday about these skulls from Lancian and Yongxian sites, around 1 million years, let's say. In Europe, dealing with the human remains, of course, you know the Barancolaeon milk tooth at 1.4 million years. Then the fossils from Cima del Elefante at 1.2 with this fragmentary mandible. So that's just to introduce you with the Kujabash site, which, as you can see, is well settled in well placed within the first representatives of the genus Homo in East Africa, Asia, and Spain especially. So this is something not common. our colleague Mehmet Cihat Alçiçek, who is with us this morning, made this remarkable discovery more than 15 years ago. As you can see, it is a kind of a slice of human skull, because we are in the context, you can see on the screen, the context of a big, huge quarry. All these area between Denizli and Izmir, this basin is now exploited for quarry. So we are discovering the fossils in such a context. That means that we are dealing with fossils which are cut by the blade of the machine. So this is
uncommon and not easy sometimes to, of course, to identify taxonomically speaking the species. So from this human, from this hominin, we have only three pieces, three fragments. The context, so it's the quarrying activity today, but this basing consists of travertine deposit, of course fossil ones for this area, but I put this this picture on active travertine today to show you the system with water, a little warm water, which is building such a deposit made by travertine. Just to show you the biodiversity which was trapped in such a context. So we have a decapod, for example, some tools, but some pebbles, but very few, they are very rare. Leaves here, tortoise here, or just to show you how we have to study such a fossil, because they are totally embedded in the travertine matrix, of course. So this is an aqueous, for example. So this is a wonderful material. We have around 100 or 150 fossils, but very, as you can see, very fragmentary. So we have done a huge work, field work, to deal with the chronostratigraphy, because this was the question dating this upper travertine. It was an unsolved question 20 years ago. So just to explain you the stratigraphy, we have a conglomerate fluvial deposit on top. Then just below, this is 50 meters high of travertine. And this is a porous travertine, which contains a lot of fossils. And fossils are coming from only from this upper level of travertine, because the lower level, which is separated from the upper level by a fluvial deposit too, the lower level is from a lake formation, and it's something quite different. It's not porous, it's very dense one, so there are no fossils inside. So the fossiliferous level or levels is or are from this upper travertine. Okay, so what we can do with such context, of course, we will deal with, we will explain you the biochronology, but we tried other method too, using cosmogenic nucleids, for example, for the pebble, the quartz pebbles that we found in the upper and lower fluvial deposit and conglomerate. So we get 1.2 for the top, for this upper level, for the top of the section, and 1.6 for the lower fluvial level. So we know that we are somewhere, it's a vast interval, but we are somewhere between 1.1 and 1.6 million years within this upper travertine deposit. Moreover, we had paleomagnetic studies analysis, and with the shift and the excursions that were recorded, we found maybe that the Cobb Mountain fits well with the cosmogenic nucleid dating from the upper fluvial deposit. So maybe we are around 1.2 million years. Okay, so this is, of course, a large interval, but we know that the upper deposits are bracketed between 1.2 and 1.6 million years. So I will just explain you a little about the human remains and
Anne-Marie will show you the fauna just after. So we have only, maybe I will show you just because you will see here the 3D model on the screen correspond to the reconstructions that we have done for the Kojabash fossil, because we have only three fragments from the frontoparietal part, left part, and the parietal, just a fragment of the parietal from the right part, and a little fragment from the frontal bone. So we put together the three fragments to do more complete skull, and we use some parts which were preserved in one side to do a mirror imaging and to complete the other side. But as you can see, this is a superior view. The fossil is still fragmentary. We have mainly the frontal part and half of the parietal bone. So it is not too much. But just to show you, for example, for the endocast, the Kojabash fossil is well within the first Homo, and just between first Homo and Homo erectus. So when we have done a cladistic analysis, only on few features, it is a weak analysis because, of course, we have only features from part of the frontal and parietal bones. But that's very interesting for us because this Kojabash fossil is between Africa and Asia. So we have done comparison between Homo erectus, let's say, generally speaking, Homo habilis, Homo erectus, first representatives of the genus Homo, from Africa and from China. And our question was, does this fossil, Kojabash, the Turkish one, share more features with the Asian Homo erectus or with the African Homo erectus? And this cladistic analysis was very clear for us because look, the Kojabash fossil is here, and here you have, in the same clade, you have only African Homo erectus or earliest Homo, but only African ones. And the contrary, for example, this one are the Dmanisi, two of the Dmanisi fossils, and they belong to the Asian Homo erectus complex. So for us, it is very clear that we have differences between the Asian Homo erectus and the African Homo erectus, and that we have the Dmanisi fossil, which are closer to the Asian Homo erectus, and the Kojabash fossil, which is closer to the African one. So that's interesting because, of course, Georgia and Turkey are very close. So we may think that we have something like a lineage between them, but it is like at least two waves of settlements or two lineages, one from Africa towards Dmanisi and Asian Homo erectus towards Southeast Asia and mainland China. And another step, another history, another lineage or trend was from Africa, the Homo erectus from around 1 million years towards Kojabash and maybe Europe. So it was important for us to argue the differences between Dmanisi and Kojabash and to argue maybe different waves of settlements. Because you know that archaeologically speaking, we have very few in Turkey. Only the red stars are older than 1 million years, but the sites are Kojabash one, where no people, no stone tools were recovered. And the Gediz Basin, maybe you know the publication by Madi et al, but it was only one flake which was found in. So it is not, of course, not discriminant at all. So
To conclude, we have quite nothing dealing with archaeology, with the lithic industry before 1 million years in Turkey. Maybe you know Dorsunlu or Kale Tepe Deresi, which are younger, more around 500,000 years, or maybe older for Dorsunlu. But Dorsunlu is not so characteristic in the lithic industry, and Kale Tepe, we have a very good dating, but on the bottom of the stratigraphy, and there is no direct link with the archaeological level which yielded the lithic industry. And then we have a huge gap until Karain or Yarimburgas here, which are younger, which belong to Neanderthal, Middle Paleolithic, and something very different. Okay, so let's explain about the fauna. So this fauna was studied a long time ago because bones are always keep with olfactories who work in the quarry. On va continuer en français, pour être plus clair pour moi. Et donc, c'est un travail de longue haleine, la récolte de fossiles, vous l'avez vu, de fossiles en tranches, hein, le plus souvent. Donc, elles proviennent de toutes les factories, et donc, ça nous donne une bonne idée de cette richesse des taxons que l'on va trouver dans le haut du travertin, enfin le travertin du haut, qui apporte ces fameux fossiles. Donc plusieurs missions ont été faites par évidemment Monsieur Sarda et Monsieur Titoff sont venus aussi travailler sur certaines espèces, et Nicolas Boulle, qui est en ligne sûrement, qui a aussi travaillé plutôt sur les chevaux. Donc, moi, je suis venue parce qu'il y avait de l'homme, et on s'est dit, peut-être qu'on va trouver des traces sur ces ossements. Et donc, en fait, pour faire une étude plus taphonomique et archéozoologique de l'affaire. Bon, ce qui est important, et ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup de chevaux, donc évidemment, et on s'est tourné vers les magnifiques sites que vient de nous montrer notre collègue de Grèce, et donc on a aussi des cervidés et du mammouth. Le mammouth, évidemment, est un meridionalis, et quand on fait... Alors, on va y aller. Quand on fait toutes les mesures qu'il faut sur le nombre de lames, l'épaisseur de l'émail, la largeur des lames et la fréquence laminaire, eh bien, on tombe sur un mammouth méridionalis. Donc, on a considéré qu'effectivement, c'était quelque chose qui était très proche du type de... J'essaie de bouger ça, tu sais. Non, mais c'est pas... Non. C'est bon. Voilà. Donc, pour le mammouth, c'est bon. Vous voyez qu'on les a en tranches. Alors, le problème, c'est que la tranche n'est pas forcément dans la bonne orientation. C'est-à-dire que de temps en temps, la tranche est malheureusement un peu de travers. Donc, les mesures ne sont pas toujours... on ne peut pas toujours les fermer là. Pour cette dent, ça tombait très bien, puisqu'effectivement, elle a été coupée comme il faut. Elle a été sciée comme il faut. Alors, pour le rhinocéros, on a plusieurs jolis spécimens, c'est-à-dire, enfin, jolis pour nous, hein, c'est-à-dire, vous voyez une mandibule et un maxillaire qui sont coupés transversalement, et ce crâne qui a été coupé, mais avec une légère obliquité. Donc, on a quand même proposé des mesures. Regardez certaines d'autres dents qui sont un peu plus complètes, d'autres dents isolées qui sont un peu plus complètes. Et on tombe aussi sur un rhinocéros étrusque sans trop de problèmes. Donc, vous voyez qu'il y a une légère déformation,
Mais là, on est quand même pas mal pour ce crâne entier, donc c'est quand même de belles trouvailles. Donc, dans les factories, eh bien, c'est-à-dire là où on fait le carrelage de travertin, eh bien, dès qu'ils trouvent des os comme ça, ils les mettent de côté, et donc après, SIAT va faire le tour et surveille ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'on a fait une étude globale d'une plusieurs missions dans les différentes factories et dans les universités, évidemment. Mais ils s'en trouvent au fur et à mesure du travail dans les carrières. Donc, on a des ajouts et on complète comme ça au fur et à mesure les diagrammes et les études sur les différents animaux. Donc là, Nicolas a travaillé sur les métabones, puisqu'on en a trouvé pas mal. Et vous l'avez vu, le cheval, c'est l'espèce la mieux représentée dans ces travertins. Et donc, il avait déjà été observé deux chevaux, ceux qu'on vous a présentés tout à l'heure en Grèce, et donc un plus petit, tout fin, tout joli, associé à Etidens, et puis le plus gros qu'on va voir, ça c'est le premier. Donc quand on compare les dimensions qui ont été trouvées sur ces petits métabones, eh bien on tombe, vous voyez le petit triangle là, on tombe dans Mydosiensis. Alors on discute de l'attribution, mais nous, ça nous va très bien, puisqu'on tombe pile poil dans ces catégories. Pour le gros cheval, donc on a plus de chance parce qu'il y en a davantage. Donc on a même de jolies dents bien dégagées, même des dents qui ont été dégagées complètes dans les travertins. Et donc, la largeur du crâne, etc., etc., on peut faire beaucoup de mesures. Et quand on étudie les dents, eh bien, on tombe tout à fait dans la variation de… Apolloniensis, mais il était marqué sous le… Oui, je le… Voilà. Bon, Apolloniensis, vous l'avez sous la dent. Voilà, hein. Et puis, effectivement, cette année, il y a deux ans, c'est un métapode complet, bien coupé longitudinalement, donc tout allait bien. Et donc, effectivement, quand on fait ces dimensions, ça correspond aux dimensions qu'on avait déjà un peu, mais là, pour le coup, on avait vraiment la longueur complète. Et donc, c'est toujours dans Apolloniensis, vous voyez le petit triangle, dans le carré, dans le rectangle que Nicolas vous a préparé. Voilà. Les cervidés, il y en a pas mal aussi. Donc le petit cervidé, donc avec un pédicule, la hauteur du premier andouiller qui est assez haute, et que l'on dans cette région on appelle Metacervoceros rhenanus, puisque c'est le cervidé que l'on va trouver dans différents sites tout autour. On a vu dans les listes tout à l'heure. Mais il y en a d'autres, et donc un cervidé avec un bois qui est bien aplati et bien large, et donc Vadim a considéré comme étant Cervalcès. Il y a aussi quelques dents, donc on a des arguments. Et donc ce bois qui est là, avec le premier andouiller avec des petites crêtes là, qui l'a attribué à Vernoceros. Donc plusieurs cervidés qui représentent quand même un gros quart du matériel dentaire. Il y a les bovidés, avec évidemment ce bison, ce petit bison,
on dit large, mais moi je trouve qu'il n'est pas trop bon, mais bon, ça dépend par rapport à quoi. Ce petit ces bisons que l'on trouve dans les travertins, malheureusement, ce sont des dents qui sont le plus souvent sciées, donc on a des difficultés pour mieux appréhender la taille et la forme, et surtout on a peu de postcraniens pour aller un peu plus loin dans les déterminations. Par contre, la mandibule de gazelle, elle est claire et facile. Et puis, le paléotragus dont on a parlé tout à l'heure en Grèce, eh bien, on a les ossicones aussi, qui ressemblent à ceux qui sont proposés tout autour, que ce soit en Manissi, en Turquie ou en Grèce, comme on a vu tout à l'heure. Donc, ça fait vraiment le cortège tout à fait classique pour la période que tu nous as montré tout à l'heure. Voilà. Donc, un tableau que je ne vais pas vous présenter, mais qui ne nous permet pas plus exactement de préciser entre 1,2 et 1,6, mais qui correspond tout à fait à cette frange de biostratigraphique. OK, donc on a cette girafe, le cerf, enfin l'élan, pardon, et le méridionalis, et on considère qu'on est tout à fait effectivement dans la séquence du cheval Apolloniensis, donc tu nous as montré tout à l'heure. Voilà. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on est dans des travertins, donc on sait qu'on est dans un horizon qui est humide, chaud et humide, et qu'effectivement, on a une densité de population d'herbivores qui est vraiment très importante. Cette densité de population doit appeler évidemment des hommes, ça on les a vus. On n'a pas, malheureusement, jusqu'à présent, trouvé de stries qui soient bien sciées, enfin, qui nous permettent de voir la surface des os au moment entre deux phases de sciage de la fabrique. Mais ça ne fait rien, on continue à chercher, on trouvera sûrement quelque chose. Quoi qu'il en soit, cette végétation est quand même assez correspond à évidemment des zones qui sont forestières, mais aussi avec cette quantité de chevaux, de mammouths, et une ouverture du paysage qui est assez importante. Donc il a été fait un grand carottage dans un lac Alchigol qui n'est pas très loin de ce contexte des carrières de Denizli. Et donc, sur 600 mètres de profondeur, c'est ça, donc, belle scintigraphie dans ce carottage et qui a permis de trouver beaucoup de pollen et qui nous donne une idée tout à fait précise de la succession des végétations pour la période qui nous intéresse. On a effectivement des paysages ouverts et surtout une quantité de pollen de céréales et ce qu'on va appeler des proto-céréales, puisqu'effectivement, on se rend compte qu'avec la diversité et l'importance de tous ces grands herbivores, on a probablement un enrichissement ils mangent beaucoup d'herbes, donc ils coupent l'herbe régulièrement, ils font tout ce qu'il faut pour engraisser cette herbe, et finalement on a trouvé des modifications génétiques dans les céréales qui permettent de montrer qu'effectivement cette densité de la faune est vraiment remarquable dans la région qui quand vous avez été visiter la Turquie, vous comprenez pourquoi. Voilà ce qu'on voulait vous dire par rapport au travail qu'on fait à nous.
Juste une précision sur cette reconstitution du palais environnement. En fait, vous voyez bien le dépôt de travertin, hein, qui apparaît bien en blanc là au centre de la reconstitution. Et en fait, c'est au bord d'un lac peu profond. Et puis, très, très certainement, à certains moments, d'un lac plus important. Donc, c'est tout ce contexte en fait, de biotopes très variés qui a dû être en effet très attractif pour les hommes et les animaux, plus la capacité dans le travertin au piégeage en fait, de ces éléments qui nous sont du coup parvenus. Donc, c'était pour vous donner une vision un peu plus globale de l'ensemble de ce complexe et de la variété des biotopes présents à cette période-là. Voilà, merci pour votre attention.